Je m'appelle Madame Andréane et aujourd'hui je te parle de Mozart. Mozart est un compositeur de musique classique qui est né en Autriche en 1756. L'Autriche est un pays d'Europe, juste à côté de l'Allemagne. Mozart vient d'une famille de musiciens. Il était d'ailleurs appelé l'enfant prodige parce qu'il avait un énorme talent musical. En fait, Mozart savait jouer de plusieurs instruments, dont le clavecin, un instrument à cordes pincées, le pianoforte, un instrument à cordes frappées, l'ancêtre du piano, l'orgue, un instrument avant mais qui est joué avec un clavier, et le violon, un instrument à cordes frottées. Très jeune, Mozart compose déjà. Il compose à 5 ans 7 pièces. Ans, il compose son premier opéra. En voici un extrait. Tout au long de sa vie, il compose des centaines d'œuvres. En voici quelques-unes les plus importantes. Voici celle-ci. Et aussi celle-là. Vers la fin de sa vie, il compose un autre opéra qui s'appelle La Flûte enchantée. Je te fais écouter un extrait assez connu. La musique de Mozart est encore écoutée maintenant. Elle a traversé le temps. Et le plus surprenant dans ça, c'est que malgré les centaines d'œuvres qu'il a composées, il est décédé à l'âge de 35 ans. Alors imagine s'il avait vécu jusqu'à 80 ans. Combien de chefs-d'œuvre encore aurait-il fait? Wow!